Grandes opérations. Grandes opérations enchaîne plusieurs cartes et modes de jeu et offre une expérience narrative répartie sur plusieurs jours simulés. Grandes opérations commencent souvent en invasion aérienne. Les assaillants sont parachutés, ramassent des bombes et les utilisent pour détruire les objectifs des défenseurs. Les jours suivants peuvent se jouer sur diverses cartes et à travers différents modes de jeu. En fonction du mode de jeu, l'équipe victorieuse de la journée peut remporter des ressources supplémentaires pour la suivante. En cas de match nul lors du dernier jour, l'opération se prolonge sur assaut final. Les survivants se battent avec une seule vie, aucune réapparition et peu de munitions. Travaillez, construisez et combattez ensemble. Ceci est la guerre totale. Oublie pas attends, le... Attends, il y a le truc stylé, là. Le conflit gagne en intensité. Alors que les Néerlandais peinent à défendre leur patrie, une seconde armée allemande réalise une percée à travers les Ardennes françaises. Les alliés sont... Ok, j'ai pas eu le temps. Ok, c'est pas grave. C'est le narrateur. C'est bon, on lui vole ses feuilles sous ses mains, là. Il peut être mal tuer. Non, mais rendez-les-moi. Eh bien, salut à tous, c'est Tosh. Attention, la liste est en les mains contre les... Oh, j'ai de la chance, oh, j'ai de la grosse chance. Ça, regarde ça. Oh, lui, sa mère. Les gars. Oh, j'ai pas fini mon texte. La prochaine fois, il y a un texte, c'est moi qui le lira. Notre victoire dans les Ardennes nous a ouvert un passage vers la France. Attends, nous allons maintenant devoir détruire les batteries d'artillerie ennemies. Vous serez parachutés derrière les lignes ennemies. Trouvez les charges explosives à utiliser pour détruire les canons. Soyez forts, soyez vifs. Et la victoire. On attaque les Allemands en mode rentrez chez vous. Alors, du coup, attends, je vais dans l'avion. Hein. Dans l'avion du milieu, moi. Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent ici. C'est normal, c'est pour le ciel. Miaou, miaou. Ah, on a vraiment été leurs objectifs. Allez les gars. Là-bas. Sautez. Sautez, en avant. Miaou. Non, je me rachute pour aller porter de l'aide aux civils. Je te vois. T'es où là? Attends, moi, Je veux prendre une bombe. Laissez-moi une bombe. Moi je veux pas prendre de bombe. Je veux faire un attentat. Non, j'ai pris ma classe assaut. Ah, c'est con ça, hein. Ouais. Moi j'aime beaucoup la classe assaut. Moi je veux ma classe médecin. C'est mieux. Ok, c'est bon, j'ai un explosif. J'ai un explosif, je vais mettre ça sur le B. Protège-moi. Ouais, y'a un sniper. Oh là là, t'es où toi? Je suis derrière. Comme un lâche. Mais je suis en train de charger là. C'est pas toi. Attends. Je te vois, c'est bon. Je suis là, c'est bon. Viens, on y va. Allez, oula, hop. Fais gaffe. T'as vu le largage qui a failli t'écraser? Genre c'est les alliés faire exprès. Ça, c'est les médecins dans 60 jours qui auront plus le choix, ils devront larguer les médocs sur les gens. T'es où? On peut pas vous faire une transfusion, mais par contre on peut vous faire sauter. Ok, c'est bon. On va armer. Mais what? Mais c'est le karma, on voit rien. Et il y a des ennemis mélangés aux alliés. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Oui, non mais je vois rien. Attends, bouge pas. Attends, il me réa. Oh oui, vas-y. Il se passe trop de choses. Attends, mais je... Il se passe trop de choses, Pierre. Ça va péter, là. Attends, je peux courir. Ah, ça va. Je suis mort. Alors, je vais atterrir en plein milieu du champ de bataille. J'espère que je vais pas crever, là. Attention. Surtout ne les touche pas. Ne touche pas tes adversaires. Évite tous les contacts. Allez, deux kills. Et je les ai eu dans le dos, comme une pute. Ça arrive. Ah, je me suis dit. Trois kills. J'ai failli. J'aurais pu faire un quatrième au corps à corps. Allez. Oh, tiens, Mehdi. Oh non. Quelle déception.
Nos parachutistes n'ont pu détruire bande de merde. Des canons ennemis. Cette artillerie entre qu'une partie 3 sur 4 quand même. Mais sachez que nos ordres restent inchangés. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours percer les défenses alliées et nous diriger vers Paris. Paris, Paris. Paris. Ah, Paris, quelle belle ville. Là-bas, c'est tous les compositeurs français comme Mozart. Ah non, Mozart, c'est... Ah, on va faire sauter la Tour Eiffel. L'aigle royal planera sur le haut de la Tour Eiffel. Je suis sûr, il y a une théorie du complot ou un truc comme ça, comme quoi il y aurait une fusée sous la Tour Eiffel. Un truc comme ça. Oui, il y a une Tour Eiffel, mais sous la terre, qui ouais. est à l'inverse de la Tour Eiffel. C'est Kim Jong-un là qui a placé son missile, il l'a caché en France. La Tour Eiffel. Pour faire croire que ce serait la France qui aura tiré. Il y a des laboratoires secrets sous la Tour Eiffel et c'est finalement eux qui ont... Et c'est eux qui ont développé le coronavirus. Voilà, j'allais dire ça. Ils ont contaminé notre fierté et notre force, mais nous restons déterminés. Nous avons été freinés par notre incapacité à détruire tous les canons ennemis. Mais nous devons continuer l'attaque, progresser secteur par secteur. Vous devez submerger leur défense et sécuriser vos zones. J'avais juste sniper. Sécurisez vos zones. Bon, alors, je vais attendre moi pour avoir un tank, si je peux en avoir un, ce serait cool. Tu vois, en gros, à chaque fois... spawn sur nous, il y a un gars qui est en train de danser avec moi. Mec, à chaque fois, sur Battlefield 5, ou même sur les Battlefield, c'est la guerre pour avoir les tanks. Genre... Oh, je suis d'accord. Dans le menu, genre, à chaque fois, moi tout le temps, faut spammer vers la gauche pour pouvoir espérer avoir un tank. Parce qu'il y a tellement de gens qui attendent. Apparaît sur moi. Non, je préfère pas. Parce que j'ai envie d'avoir mon tank, en fait. Ça va, tu t'amuses? Tiens, je te vois là en train de tourner, là, il y a ton petit logo là qui bouge. Parce que je suis en train de danser. Ah. Et... Danse originale, hein. Au bout d'un moment, tu vomis. Ah, il y a des avions, mais il n'y a pas de... Je veux mon tank! Mon tank! Ah, je veux mon tank. Il est où, là, mon tank? Allez, passez-le, moi. Mon tank. Mon tank. Moi, je... Je vais jouer sniper, mais... Je vais jouer sniper, mais en fait, j'adore le sniper. Mais en fait, moi, tu vois, je suis pas un de ces snipers cancer, tu vois. Ah non, mais non. Moi, je suis un sniper, mais genre, tu vois, genre je tire des balles qui redonnent de la vie. Je suis pas cancer. Et tu vois, t'as le bon et t'as le mauvais sniper. Et moi, je suis un bon sniper. Le mauvais sniper, il voit un truc. Il tire. Il bouge. Il tire. Mais... un mauvais chasseur. Tu tuer, ils étaient sur la bon, route. Alors, mes tanks là, c'est quand là qu'ils arrivent? Non mais mec, c'est chiant, là, j'ai pas envie de passer toute ma game dans le menu à attendre qu'il y ait des tanks. En plus, j'ai un défi, j'avais même pas vu, mais je l'ai quand même fait. C'est infliger des dégâts avec un fusil à verrou. Un fusil à verrou, bah c'est tous les snipers en fait. Non, pas tous. Il y a des snipers maintenant qui tirent en rafale. Ah mais ils viennent sur notre gauche, attends. C'est chiant, c'est chiant. J'ai pas de snipe, j'ai pas de tank. Bon, au pire, je spawn. Hein. Fuis. Ok, c'est parti. Moi, je suis. Ok, non, c'est pas parti. Allez, j'ai deux bombardiers qui sont assez bien, mais j'ai besoin de faillurer. On va les charger maintenant. Mec, viens au A là, c'est un carnage. Attends, moi je tire sur les ailes. Allez les gars, on y va. Ah ouais, c'est vraiment la guerre. Oh là là, les bombardiers qui font du travail. Et encore un gars qui joue Lewis et qui l'a passé level 10. Comment tu peux passer une Lewis level 10? Moi j'aurais pas la patience. Bon, j'ai passé 4 armes level 10, mais bon, c'est pas grave. J'ai une bête 130. Alors, on est incroyablement nuls. On s'est approché, ça là. Chasse. Mais le tank là, il est chiant là, parce qu'un tank c'est censé être à l'avant là, il est en train de camper à l'arrière comme une campeuse.
Genre c'est un sniper quoi le truc. Oh. Ah y'a l'avion, l'avion il m'a vu. Ah l'avion il faut il plonge sur moi. Allô. Il m'a buté, super. J'ai eu une image subliminale de médecin qui me réanimait mais non. Tu sais, ah. il est venu, il a fait ah. Ah bah non, en fait non, je me barre. Je me barre. Mais attends, mais on l'a pris le A. Ah oui, mais non. Attends, j'ai un avion. J'ai un Shtuka. Mec, j'ai un Shtuka. Mais il prend du temps à spawner. Bah, barbe le B. Ok, c'est bon. J'ai un Shtuka. Bon, on bombarde. Relativiser, est-ce que la violence de la guerre. La violence de la guerre. Mais je suis mec 15. Oh mec, j'ai fait un kill incroyable. J'ai réussi à faire un kill, mec. Réussi. Hein. J'ai réussi. Je peux venir dans ton Shtuka ou pas? Oui, vas-y. Ça tombe bien, je crois bien qu'on me tire dessus. Oui. Ah, mais non, c'est bon. Attends, je vais venir. Il est où? Oui, il est derrière. Vas-y, défonce-le. Je le nique. Allez, vas-y, nique-le sa mère. Vraie bataille aérienne. Ah non, on descend. Oh, il a un canon. Bébé. J'ai fait ce que j'ai voulu. Scheiße. Oh, les dégâts que je me rends. J'ai vu un campeur. Y'a où ici? Sniper de mes couilles de sale fils de gentille personne. Ah là là. Ah ouais, ok, donc y'a un gars là qui campe, c'est sale. J'ai buté un mec à la grenade. Mec, on est en train de tellement réanimer là. Oui, je suis en train de réanimer. Allez hop. Merde, y'a tout le monde qui est mort là-bas. Oui, en effet, c'est ce que je vois. Aïe. Ah, de merde. Ça fait mal, hein. Non, mais c'est surtout que c'est chiant parce que c'est toujours le même. Genre, il repasse en boucle. Allez hop. Coucou. Merci. Je vois rien, mec, il y a trop de fumigène. Aïe, aïe, ça fait mal. Avion, encore les avions. Aïe. T'as vu, hein, ils font mal, hein. Allez, médecin, s'il vous plaît, médecin. Ouais, attends, y'en a un qui me réa de l'escouade. Médecin, j'arrive. Viens, allez. Merde, il est où? Yep. Toi tu réanimes, c'est bien. Mais merde. Et j'ai plus de fumigène. Alors tu vois, en fait, ma vie à moi c'est de réanimer et de mourir. Voilà, donc là je viens tout juste de me faire réanimer et aussitôt je suis mort. Voilà, on a voulu me réanimer, il est mort. Tout le monde meurt, vas-y, autant mourir. Genre ça sert à rien. Genre on réanime le gars, 2 secondes après il meurt au sol. Putain, mec, mais ça fait là, 3... ils sont là. Oh mec, on a quasi... Mec, c'est des malades. Si on prend des malades les anglais. Hein. Si on prend le point A, on a gagné, on a avancé. Il nous reste combien de vies? Ah oui, merde, il nous reste encore 2 vies. Ah bah non, ça y est, c'est foutu la journée. Merci. Bonne journée, allez nous, on s'en va. Fin de la journée 2. Déshonneur. Leur défense était... Vous êtes des merdes. Attaque a échoué. C'est pas eux qui étaient trop forts, c'était la possibilité de se replier. Efficacité allemande. Nous avons perdu de bons soldats. Et là, le Blitzkrieg il marche bien. Cela ne se reproduira pas. Alors là, vu l'efficacité. La guerre Hitler. Hitler. Pas... La guerre Hitler. Comme un éclair au chocolat. Les Allemands ne cessent de progresser, tandis que leur deuxième force blindée se dirige vers le nord.
pris au piège, les alliés entament... Ok, j'ai pas eu le temps. Les alliés battent en retraite, et la route, vers Paris et la grande Hertel. Oh, ça rime. La victoire à Allemagne semble assurée, les alliés restent pas eu le temps de se finir. Ah, Battlefield, on vous aime. Bah, n'empêche, c'est pas plus mal, parce qu'au moins, ça met moins de temps de chargement. C'est pas vrai. T'imagines... Les alliés ont montré qu'ils étaient de puissants adversaires. Ils ont freiné notre progression. Oh, la map que je préfère. Enfin, l'une des meilleures. Et j'ai pris mon soutien. Et bah, c'est très bien, ça. Je le prends jamais. Non, mais je le prends jamais, d'habitude. Ok, c'est bien. Ok. Je viens de lancer une grenade, mais elle sert à rien. C'est... Aïe, sniper, sur la rue. On mitraille. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Sur le côté. Médecin. Brancardier. Ah, y'en a un qui me réa. Je t'aime. Gérard. Meurs pas, tu Gérard. Mais il me tue pour la deuxième fois, ça c'est quand même incroyable. Mais il me tue pour la deuxième fois, c'est quand même incroyable. Je trouve ça inadmissible. Moi j'adore quand même faire péter les bâtiments avec ma lance. Ma lance. Dynamite, la grosse lance. Ça c'est beau. Un kill. Tous. Mec, on est 45 sur le toit. 45. Ça fait beaucoup là, non? Ah, avion de merde. Mais qui est mort là? C'est toi? Non, c'est pas moi. Ça peut pas faire ce que je veux. Oh, les avions qui font chier. Oui, en effet, ils font chier. Sniper! Mec, je fais un score de merde. Oui, moi non plus. Genre, là, on fait pourquoi vraiment... est-ce qu'on joue à ça d'abord? Je sais pas, j'en ai marre, Pierre, j'en ai marre. C'est quoi, ils veulent jouer sniper? On va jouer sniper. Oh ouais, moi aussi je joue sniper, tiens. Ils vont voir c'est qui le gros metteur de tête. Wesh. Non, pas... non, c'est pas comme ça en plus qu'on dit. On dit. Moi je suis un faiseur de tête. Moi, on va voir c'est qui là qui fait le. Mais pourquoi il tire pas avec le canon? Genre, y'a un canon, on veut tirer avec. Voilà. Eh hey, mec, on fait une soirée barbecue? Bon, c'est... t'étais pas là, ça marche pas. Y'a un ennemi là. Moi personnellement, je préfère le B. Hein. Sans discrimination. Et bien, c'est ce que je vois. J'ai... Alors, j'ai un sniper, mais je ne joue pas du sniper. Ils vont arriver de quel côté, à ton avis? Est-ce qu'on peut fortifier encore plus? Oui, on peut fortifier là. Attends, viens m'aider à fortifier. Ils arrivent, y'en a un qui est juste devant là. Oui bah c'est ce que je crois me visualiser. Ils sont tous sur le côté et... Enfin bref, ils sont chiants. Personne les aime, personne vous aime, vous êtes nuls. Déjà d'abord, c'est de la merde. Oh, je viens de lui mettre une tête, une balle, une tête. Une balle, une tête. Après une balle, un mort. Une balle, une tête. Il a cru quoi lui? Il a cru quoi? Ça c'est quand même incroyable, il a 2 HP, voilà. Ça c'est incroyable. Mais j'en reviens pas comment il a joué. Eh mais il joue sale les gars maintenant. Non mais soit il c'est vraiment des gros chanceux, mais là il se prend des balles dans la tête à ce rythme là, c'est pas... Non. Mais non, jamais de la vie. Jamais mec, jamais. Grenade. Mais il me one shot. Eh ben, avec une mitrailleuse. T'es honteux. Bon, allez mec, je vais aller me suicider, moi. Vas-y, oh oui, vas-y, désamorce. Ah non, on m'a pris du corps à corps, à la matraque. Putain. Ouais, tu t'es fait cut. Oh, ah bah il a explosé. L'ennemi vient de détruire l'objectif vert. Ah bah ça c'est Chris. Dommage, c'est dommage. Alors par contre, on va avoir un problème. Honnêtement, je pense que vraiment... ce jeu est devenu beaucoup trop dur. Non, c'est juste qu'en gros, il y a vraiment de l'inégalité.
c'est vraiment... Mais ils me mettent des balles à 45 km, genre... Un choix. Non mais c'est bizarre, c'est... Toi en fait, tu me... Je suis la cible. À chaque fois, des avions et des snipers en même temps. Il est là, regardez-le. Oh, le but, juste lui. Sur toute l'armée, c'est lui qu'on veut. Bon, en même temps, j'étais en train de courir tout seul au milieu d'un champ, mais... c'est pas grave. Je trouve pas que ce soit valable. Ouais, bah... On... Ouais, bah quand même. J'essaie de faire un petit coup de ici, là. Eh, vas-y, vas-y, vas-y. Mec, le champ, il est impossible à passer, mec. Oui, il est impossible à traverser. C'est le No Man's Land. C'est pire. C'est mille fois pire. Dans le No Man's Land, tu pouvais faire 10 pas. Là, on en fait 2. No Existence Land. Non mais mec, regarde le nombre de morts qu'il y a juste sur le petit chemin, là, qui là. Je campe au spawn de base, en fait. Ils sont à 10 mètres du spawn de base. À quel moment c'est possible? Ok, game, la fin, on vient de finir. Mais c'est tout à fait nul. L'ennemi nous a empêché de remporter la victoire en voilà. France. Mais notre armée, ils ont changé le cours de l'histoire, ils ont pris et notre détermination reste sans faille. Non. D'autres divisions prendront le relais. J'ai pas et de la mots, France finira par ça, tomber. C'est très triste. La victoire totale en Europe sera nôtre, quoi qu'il en soit. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette game qui était courte. Nul. Courte et perdue surtout. Oui, et bah du coup, likez si. Il n'y a pas de raison parce qu'on a perdu. Bref, likez, vous n'avez pas le choix, et puis abonnez-vous, et puis ça serait cool, et puis voilà, à plus. Ouais, ah bah merci. Merci d'avoir regardé. Regarde les scores quand même. Alors déjà, les équipes sont déséquilibrées, mais regarde quand même les scores. Attends, on va regarder les scores avant de finir. Ah, je fais du 2-6. C'est pas dégueu. 2-6, et plutôt tu fais du 5-25. Je suis du 5-25, mais en même temps, c'est mon score de médecin qui a joué. Ouais. Allez, bon, et bah, merci à tous, et au revoir.